ça, c'est une idée que j'ai eue pour cet événement, c'est la 4e année. Puis on fait ça pour une OSBL qui s'appelle Sikono au Sud, puis on envoie des vélos dans les pays du Sud. Eux, ils envoient des vélos qui ne sont pas utilisés ici, dans les pays où le monde profite vraiment pour le travail, c'est un outil de développement. Puis il y a beaucoup de stocks en Amérique du Nord, beaucoup de surconsommation. Prenez ces quelque comme ça ici, du monde peut échanger ici à place de juste acheter du neuf. Et avec ça, les profits vont à l'organisme Sikono au Sud. C'est une opportunité de montrer aux citoyens qu'ils s'engagent dans leur communauté. Ben, l'idée pour moi, c'est que, on crée un sentiment d'appartenance à une communauté cycliste. Il y a beaucoup de monde qui a du stock ici, qui essaie de vendre par l'Internet, mais c'est toujours mieux le contact personnel. Puis chaque année qu'on fait ces événements-là, tout le monde qui sort de l'événement, il sort avec un bon sentiment d'avoir du fun, de faire des connexions. Beaucoup de monde vient ici pour vendre leur stock, puis finalement, ils finissent à devenir membres ou s'impliquer dans le futur, parce qu'ils veulent sentir une appartenance à quelque chose de plus large que eux.